C'est diqué de ouf en fait. Ça de nuit ça doit être chaud quand même. Ah, je suis un peu modifié. Ouais, bah, non mais en fait j'ai pété un plomb parce que je me suis dit mais mec t'as pas remarqué ça tout à l'heure en fait. Bah parce que c'était pas comme ça t'as vu. Yo 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 la compagnie, comment on va aujourd'hui? On se retrouve pour une petite vidéo dans une maison. Tu te calmes Didi? Ma chatte elle est en chaleur. Enfin ma chatte. Le chat féminin. Hein? Bien d'accord. Donc, on se retrouve dans une petite maison au Luxembourg bien sympathique avec l'ami Marcus. J'ai foiré mon intro sur place, je sais pas si c'est passé, le son était vraiment à chier. Donc je l'enregistre là, tranquille, et puis Zebaldi. Avec un invité spécial, monsieur Marcus en personne. Bah, c'est gentil pour cette première sur votre chaîne. Ouais, ouais. Un retour, le comeback. Le comeback de l'enfant prodigue. Allez, c'est parti, let's go. C'est diqué de ouf en fait. Savoir que cette maison, je l'ai fait il y a 4 ans. Qui a un peu changé depuis. Cette petite fille qui nous regarde, qui est un peu flippante. Ça de nuit, ça doit être chaud quand même. Ça de nuit, ça doit être quand même relativement chaud. Ah, fameux tableau de l'enfant qui pleure. Bonsoir. Bonjour. Qui êtes-vous? Merci de m'accueillir dans votre demeure. Voici ma maison. Bon, tu l'avais faite il y a 4 ans. Oui. Est-ce qu'elle a pris... Elle a pris, mais ça va encore. Mais ça va, il reste... Elle n'est pas très connue, donc ça va. Il reste quelques trucs bien sympathiques. Ouais. Des objets à foison. Une ambiance un peu spéciale. C'est pas mal de bordel. Pas mal d'objets quand même. Bon, photographiquement, c'était mieux il y a 4 ans, je vais pas le cacher. Donc je sortirai les photos d'il y a 4 ans. Hein, je vais pas m'emmerder. Ça me fera gagner du temps. Bonjour. Bonjour. Cette petite cuisine, bien sympathique. On a vu le crayon Ikea, ils ont pris cher. Oh, c'est mignon. Oh, c'est dégueulasse ce truc. Bordel. Il y a du courrier, il y a quelques objets qui sont sur moi. Thank you.
Ah, il est toujours là ce mixeur old school que j'avais délai à l'époque. Petite chambrette en bordel. Ouais, c'est vrai que c'est hardcore par là. Ouf. Showtime. Un peu tordé ses fonds là, celle-là. Petite chambre sympathique. Mais ça, ça a totalement changé par rapport à l'époque. Peut-être en faire un cliché quand même. C'était pas comme ça. Il y avait un landau ici dans le temps. Il n'est plus là. Peut-être dans une autre pièce. Tout était caché dans les armoires. Ouais. Mise en scène d'Urbexer. Ici, ça a été refait. Portrait de Jésus. Jésus, mon mari. Incroyable. Oh, mascotte, tiens. Ça, c'est un peu en décalage par rapport au reste. Je pense que c'est pas forcément le du spot initial. Hein. Sûrement un chasseur. Ou c'est peut-être sa femme, je sais pas. N'aie pas peur de tes sentiments. Question reste en suspens. C'était Tanima. Tu entends triquer ce truc-là. Petite fleur. Bizarre, hein. Un mec comme ça dans cette salle de bain. En plus, ça reste une coiffeuse après. Bizarre. Il paraît que c'est plus ou moins hardcore par ici, bon, faut faire attention. Il y aurait peut-être des animaux. Vieux PD, vieux comics. Pas mal de vieux comics, hein, des vieux BD. Il n'y a plus le petit berceau de l'époque. Parce qu'il fait chaud. Qu'est-ce qu'il parle? Il parle toujours autant, ce Marcus, hein, c'est fou. Hein. Qu'est-ce qu'il a à dire? Que peut-on bien dire de ce spot? Sans arrêt, comme ça. C'est fou, c'est incroyable. Attends, je vais prendre une petite valise et je vais la mettre dans la pièce de bas. Eh oui, mise en scène, c'est comme ça. Chambre.
Ah, je suis un peu modifié. Ouais, bah, oui, non, mais en fait, j'ai pété un plomb parce que je me suis dit, mais mec, t'as pas remarqué ça tout à l'heure, en fait. Bah, parce que c'était pas comme ça, t'as vu. Bah, qu'est-ce que t'as pensé de ce spot, alors? Bah, écoute, plutôt sympa, j'aime bien. Petit, médiqué. Ouais, petit, sympa. Pas très loin de chez nous, sans donner pour autant plus d'indices que ça. Je suis étonné qu'il soit encore en état après 4 ans. Ouais, c'est choisi. Ouais. 2018. Bah, comme je dis toujours, hein, c'est le plus important, c'est déjà de savoir à quoi ressemblait la pièce. Et puis, comme je dis, si bah, c'est bien que les éléments. Tu ne pas connu. Bouteille d'eau longue-feuille, là. J'avais un paquet de longue-feuille avec des cartons. T'as du papier? T'as du Tosma? Je pense que c'était pas le propriétaire initial qui non, je pense que devait utiliser ce genre d'accessoires. Donc voilà pour cette petite visite. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, à me faire des bisous parce que je suis toujours un crabe de bisous. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner au poteau Les Aventures de Marcus. C'est comme ça que ça marche. Allez, big up, peace! Moi j'aime bien les trucs compliqués. J'aime bien foutre mes potes dans des trucs compliqués. Ça va ? Est-ce que vous m'avez déjà vu rentrer dans un spot facilement ? Tout ça pour ça en fait. On ne sait même pas ce qu'il doit y avoir. Et c'est le goût de l'aventure. Nous on aime ça. Petite précision, ne jamais faire de l'urbex en short. Non. C'est très mauvaise idée. Et on est tous les deux en short. Hein. Ouais. On est très cons. Hein. On le sait en plus. C'est pas comme si on n'était pas expérimenté. C'était sympa de passer par le endroit où on est passé. En fait, c'était cool parce qu'il y avait une porte juste là. Mais c'est sympa cette petite cuisinière, hein, il y a des pieds. Avec un Marcus qui l'escalade. Oh putain, il a fait piquer. Normal. Ah oh bah c'est cool, il y avait une porte là. T'es payé pour faire ça, t'as vu, t'as vu. En 2000. Eh ben. Un petit garage. Je sais pas si personne n'était pas sur le dessus. Ah si, je l'ai capté. Mais ici aussi, il y avait une machine à écrire. Ah non, c'était une platine vinyle, elle est toujours là d'ailleurs. Ça a pas beaucoup changé, il y a un peu d'évolution, mais ça a pas beaucoup changé. Ouais, je crois qu'on a fait définitivement le tour. Parez-vous, sinon je vous pète un parrain.